Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Elsœur, bonsoir à ceux qui arrivent. On se retrouve pour un nouveau let's play, 100% bien sûr, même si le jeu est un peu couloir. Nous allons jouer à Metro Exodus. Il est sorti à. J'ai oublié de regarder la date. Il est sorti au mois de février dernier, je pense. Voilà, donc nous allons commencer tranquillou, faire nos premiers pas sur ce jeu. Voilà, je m'assure que tout est en ordre. Encore une fois, désolé si j'ai la voix cassée. Enfin, que je parle comme si j'étais dans une cuvette de toilette. C'est normal, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la semaine, le temps que je prenne bien mes médicaments. Voilà. Mais nous allons commencer tranquillement, à la fraîche, un bon jeu sympa. J'en ai entendu beaucoup de bien. Ouais, on démarre. De temps en temps, j'ai une petite toux, hein, désolé. C'est quand j'ai la gorge un peu sèche. C'est parti. Ok, donc le mode normal c'est quand même un peu relevé. Il va casser la voie, ouais. Écoutez, on va se la tenter en normal. Si vraiment j'en chie trop, je passerai en facile. Mais je suis pas du genre à baisser la difficulté d'entrée de jeu. On va d'abord joncher. J'ai bien fait Days Gone en mode Je normal. me souviens encore de la vie avant la guerre. Il y a déjà les sous-titres en plus, c'est parfait. Je me souviens que nous étions différents. Que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait, et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais, et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes.
Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption s'enflait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal. Donc voilà. Donc pour faire le résumé des deux premiers métros, on va plutôt faire le résumé du Last Light parce que ça serait trop long. Voilà, en fait, à la fin de Métro 2033, on trouve de quoi bâtir un meilleur avenir, même si c'est sous terre, et on arrive à vaincre ce qu'on pensait être l'ennemi. Donc voilà, donc il fait tout péter à la fin de Métro 2033 et les Rangers de l'Ordre mettent la main sur la base D6. La fameuse base D6, ce qui se passe c'est qu'à la fin de Last Light elle est attaquée par deux factions qui se sont unies, les restants du régime nazi et les communistes. Ce qui s'est passé c'est que on a failli mourir, Artyom a failli mourir, les Rangers sont presque tous morts. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été sauvé par la fameuse race extraterrestre, les sombres là, enfin les créatures mutantes. Et bon, ça nous a quand même coûté beaucoup, notamment qu'on n'a plus de base. Et le fait est, c'est qu'on est maintenant dehors comme des cons. Voilà. Donc on doit essayer de se bâtir un nouvel avenir, apparemment. Et il faut qu'on quitte Moscou, on n'a plus le choix, il n'y a plus rien pour nous ici. Donc voilà. Donc, Artyom, lui, il a failli passer. Il a fini gravement blessé à la fin de la slide. Bon, il a l'air de s'en être bien remis. Par contre, le commandant des Rangers, lui, il a perdu ses deux jambes. Il a des jambes métalliques, voilà. Parmi les survivants, il y a la femme d'Artyom. Voilà. Ah, qui en est parti? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Un ziflu à peupon, ok. Si vous voulez que je mette un peu plus de luminosité, vous n'hésitez pas. Bon, je n'ai pas accès à grand chose à mon avis, je pense que c'est voulu avec le début. Ok, il y a une touche pour caresser sa visière sensuellement, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Et je n'ai que 2 balles. Ok. Donc voilà, j'espère que ce résumé vous aura plu. J'espère n'avoir rien oublié. J'avais regardé mes notes avant. Voilà, voilà. Donc, c'est parti pour Metro Exodus. Donc, comme il porte bien son nom, c'est l'Exode. Hein. Apparemment, une espèce de survie à travers un périple. Apparemment, pour trouver un fameux signal. Mais on verra bien en temps voulu qu'est-ce que le péripétie sera sur notre route. Et donc, je sais pas ce que fout Artyom. Je sais pas comment ça se fait qu'il est dans cette situation-là. Oh, il s'est trouvé une amélioration. Voilà, et des balles en plus.
J'espère que c'est fluide pour vous. Normalement, c'est bon. J'avais tout vérifié avant de commencer. La connexion et tout. Avec ma toux, hein, c'est pas grave. Ouais, on est à la cool. Ce que je faisais pour faire taire mon chien. Une maniabilité un peu plus lourde que dans les opus précédents. Je démarre bizarrement quand même. S'appelle l'idiot.
reste avec nous. D'accord, on joue bien Artyom. Bouge de là. Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai prévenu. D'accord, d'accord. Bouge. En avant. Tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel. Salut, Alex. Donc voilà, le colonel Melnick, il a perdu ses jambes. Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile. Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie. L'ordre est à court d'hommes après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas. Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi. Il faut arrêter les conneries maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a, rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui? Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. On est un peu désespéré parce que comme on a perdu notre meilleure base, Artyom, on avait tout dedans pour rebâtir un avenir, les communistes et les nazis ont fait tout rater. Et voilà, maintenant on se retrouve de nouveau dans les métros, dans les métros dégueulasses. On a réussi à te remettre sur pied, mais les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Donc Artyom, il prend des risques apparemment inconsidérés pour essayer de... rattraper le coup. Voilà, voilà. Moi non plus. Dommage qu'il passe tellement de temps à la surface. On est revenu aux anciennes méthodes, hein. On a perdu la base. Malheureusement, c'est leur travail. Maintenant on est de retour en mode survivaliste. Oncle Artyom, t'inquiète pas, je te crois moi. Tu m'emmèneras quand tu auras trouvé un endroit sain. Moi aussi je tous garçon. Je ne veux pas qu'il perde la tête comme toi. Il dort plus depuis que tu lui as raconté toutes ces bêtises. C'est censé le réconforter. S'il te plaît, laisse mon fils tranquille. Ouais, on prend un peu pour un illuminé.
Parce que t'essayes de faire les choses bien. Alors que les mutants augmentent en nombre, en taille, en force et en intelligence. Ils n'iront pas vous écraser durant leur rapport. Évidemment qu'il y a nulle part où aller. Je ne suis plus dans l'ordre. Je prends mes défis contre vous seul. Et pour Artyom. Oh, j'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien? Bouge de là, tu sacrée fouille. Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as l'air en forme à ce que je vois. Excusez-moi, messieurs, faites place. Hé, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune femme ne te résistera. La trompe, comment le faire? Toujours aussi les gars, laissez-le respirer. Bon retour parmi nous, Artyom. Ah, salut, Artyom. Ok, c'est bon, je vous accorde une pause. Vous avez 2 heures. Ouais. Ah, c'est un ouais. J'en étais sûr. J'ai apporté quelque chose. Et c'est reparti. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Tiens bon, Artyom. Une semaine plus tard. Toujours rien? Artyom, tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Gégère. Ah oui, et il y a aussi ces maudites saletés qui croassent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. On a un peu traîné, il est temps de changer de filtre. Allez, change de filtre. T'as passé assez de temps à l'infirmerie comme ça. Voilà, de nouveau de l'oxygène pour 13 minutes. Bon sang, mon père va me tuer s'il découvre que je suis monté avec toi. Deux fois plus s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Tu as visité toutes ces ruines? L'étendue des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense anti-aérienne de tout le pays. Ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. Par ici. Il n'y a que des monstres qui ont pu survivre à la surface. Le jeu est un peu plus joli que les opus précédents. Écoute, peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui? Un appart, avec une cuisine et une douche. Passons chacun notre tour. C'est pas assez stable. Attention. Au moins ça a tenu. Oh, je crois qu'on est tiré d'affaire. Oh, t'as entendu? Sortons vite de là,
d'habitude, hein, s'il faut quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu entends ? C'est une meute. Manquez pas ça. Heureusement que les mutants se détestent entre eux tout autant qu'ils nous détestent. Je vois vraiment pas pourquoi ce secteur est interdit aux stalkers. Les radiations et les monstres n'ont rien d'extraordinaire. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug sonore quand je tire. The fuck? Vous auriez dû vérifier avant, connard. Artyom, tu n'as rien. Ces gens, ils sont de Hansa, pas de l'ordre. C'est fumier. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Il se passe cher. Quoi dans votre tas de ruines, c'est ça, Moscou? C'est ça, Moscou? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a un an et n'est jamais revenu. Mais dans l'obscurité. Alors, il y a de la vie dehors? Pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah, ça alors? Il faut qu'on prévienne tout le métro. Hé, mais vous nous avez amenés au milieu de nulle part. Rendez-leur au moins leur masque. Attaque!
Ok, les mecs de Hansa sont des fumiers. Ah, ils veulent jouer à ça, très bien. Ils ont pas l'air très nets, hein. On les a tous vus exécuter deux personnes de sang-froid. On va aller les rattraper et on va aller les égorger. Par contre, ils m'ont pris mes armes. Artyom a bien survécu à un train en pleine gueule, alors se faire tirer trois fois dans le corps, c'est rien pour lui. Voilà, excusez-moi, j'avais une grosse toux en approche. Attention, la plaque tournante se met en marche. Vivant
Tu es venu pour elle ? Très bien, très bien. Je l'ai fini. Enfin, je vais pouvoir... ok, ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger. C'est pas une arme ou quelque chose. Il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. En route, mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage pour l'éteindre. Moi, je fais diversion. Bon. Je crois pas. Je vais le lancer en pleine gueule, peut-être. Good job.
Ces salopards-là nous cachaient la vérité. Tu te rends compte? Il n'y a pas que la Russie dehors, mais le monde entier. Pourquoi? Pourquoi vous cachez Moscou au reste du monde? Et vice-versa? Parce que la guerre n'est pas terminée. Et vous vous comportez comme des cadavres. Tous les gardes seront bientôt là. Je suis avec lui. Artyom, vous. Il faut filer. C'est à toi. Ils ont laissé ça poser ici. Il faut qu'on sorte de là avant qu'ils récupèrent. Préparez-vous. Les gardes. Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes. Par ici, vite. Allons-y. Qui êtes-vous? Andrei Ivanovitch Yermak, le conducteur du train. Fier, attendez le hangar. Ils me connaissent, je pourrais circuler facilement. J'ai eu... Ah, je te raconterai plus tard, j'espère. Soyez prudents. Artyom, je vois l'ennemi. Donne-moi un coup de main. On n'y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige. N'oublie pas ta jauge de visibilité, Artyom. Passe pas dans la lumière, ils auront plus de mal à te repérer. N'allume pas ta lampe de poche, vous pouvez la voir. Ok, c'est parti, top, mais au moins j'ai des trucs. Elle jouait un peu sensible sur les bords. Et je vois pas grand chose à cause du blizzard.
Il y a une espèce... Il y a une espèce d'aide à la visée à la con. Et ça, ça m'énerve sur les FPS. Je préfère viser par moi-même. Bonsoir Fardezal. Non, je viens de commencer, c'est le début. J'ai commencé le jeu qui a qu'à 52 minutes. Seulement le jeu est long au démarrage. Et j'ai mis une difficulté un peu élevée. Oui, j'aime de tout. J'aime de tout sauf les jeux visual novel. Artyom, en voilà. Ils sont deux. Je vais te couvrir d'en haut. Rage 2 c'est prévu pour le mois de juillet avec un autre jeu. Là j'ai pris Metro Exodus pour cette fois. J'ai pris Metro Exodus et Red Dead Redemption 2. Et je me tape une bronchite au passage, c'est pour ça que j'ai une drôle de voix. Et voilà, le tour est joué.
J'essaie de parler le moins possible, hein. Je vous ai fait un résumé rapide au début. Mais je vous laisse profiter du jeu et pas de ma voix de syndrome de Képral. La froire quand me regarde en jouer. En tout cas, j'ai fait plein de munitions à moindre frais. C'est à l'intérieur. Tu peux enlever ton masque, Arthur. Maintenant, il faut qu'on retrouve Yarmak. J'ai un peu fail, pas grave, on en a eu dans la discrétion. Oh, je l'ai eu. On se tire de l'infini. Oh, je l'ai eu. J'en reviens pas, je l'ai eu. À ma life. Ouais, ils font mal les ennemis, hein. Je suis en mode normal. En mode normal, il y a un peu de challenge. De toute façon, on te dit que chaque mode de difficulté est un peu une... Là, ici, il faut faire gaffe aux munitions. C'est conseillé. Ils disent faire gaffe aux munitions et faire gaffe à la santé parce que bah, les ennemis font très mal. Ouais, on va essayer de les tuer sans faire de bruit cette fois.
Bah, j'essaye de me mettre en bonne en condition réelle, hein, de le faire vraiment en difficulté classique, sans ce que vous voyez, encore deux modes de difficulté en dessous. Et franchement, on va se le tenter comme ça et après on verra quoi. Sir Job, ils ont eu Yermak. Ils ont eu Yermak. Il faut qu'on se rapproche. Je vais faire diversion pendant que tu sautes au mieux. Artyom, essaie de descendre. Le voilà, les gars! On est à l'avantage! Son coriace, hein. Encore quelques essais, et puis si vraiment je vois que c'est chaud. Voilà.
suis content de voir. Est-ce que tout va bien? Ça va, merci. Très bien. On n'a pas beaucoup de temps, ils vont revenir. J'avance à la loco, elle devrait être prête. Tu vas monter et activer le mécanisme de la plaque tournante. Et surtout, faites bien attention, on risque d'avoir toute la base sur le dos. Il rigole pas, hein. J'ai quasiment pas de soins aussi. Thank you.
On a un problème par ici. Papa! Les gars! C'est nous! Aidez-nous! Anna! Mais qu'est-ce que vous Mais qu'est-ce que vous foutez là? Je parle d'une surprise. Colonel, à la cour martiale. Pour chacun d'entre vous. Très bien. Tout le monde, la ferme. J'arrive pas à y croire. Bordel. Merde. Alors c'est vrai? Tu travailles pour eux? Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, et puis on s'en fout, aucune importance. Vous avez pas idée du merdier dans lequel vous vous êtes fourré. On est coincé. Hansa ne peut pas laisser passer ça. Sans les gardiens ne voudront pas. Non, je ne me tairai pas. À quoi sert ce brouilleur? Pourquoi il cache le fait qu'il n'y a pas que Moscou qui a survécu? Là, dans le ravin, il y a des gens, d'autres villes, morts, jusqu'au dernier. Tout le monde la ferme. Des femmes, des enfants. Je vous expliquerai plus tard. En détail. Grand-père, qu'est-ce qu'on trouve plus loin sur cette voie? La voie est sûre, au moins sur une centaine de bornes. On peut se mettre à l'abri, pas trop loin. Bien sûr, mais il faut se dépêcher. Ils ont appelé le croiseur. Très bien, messieurs. Artyom et Anna viennent de foutre un sacré bordel. Et ils peuvent pas rentrer à Moscou. La loi martiale exigerait qu'ils soient exécutés. Quoi qu'il arrive, il faut que je les fasse sortir de la ville avant que ça se complique. Mais vous, vous restez. Compris, Major? Mes hommes n'ont strictement rien à voir avec ce... Vous savez que c'est pas entendu à propos du brouilleur. Moi, je me battrai pour eux, quoi qu'il en coûte. Bien sûr, Artyom, Anna... L'ordre n'a pas d'ordre. Personne. Si c'est pas nous, qui? Très bien, Spartiate. Foutez cela dehors et à toute vapeur. Viens avec nous, Artyom. Allons prendre l'air. Je suis contente que les gars nous aient soutenus. On dirait que mon père ne leur avait pas parlé de tout ça à eux non plus. On a passé 20 ans dans le métro à croire que le reste du monde avait été calciné pendant la guerre. Mais ils ont cerné Moscou avec ses foutus brouilleurs et on n'y a vu que du feu. Un plan parfait. Arrêtez un peu! Qu'est-ce que vous emportez? Des gardes? Des plans de défense?
pays pendant des années sans poser de questions. On a versé notre sang pour la cause. En eux, ils nous ont détruits, c'est vous ? J'ai été soldat toute ma vie. J'ai consacré mon existence à mon peuple, mon pays. C'est pas question que je laisse tout ça à des parasites comme vous. Faites sur le jeu tuer des gens quand c'est pas nécessaire, ça influe sur la fin du jeu. En fonction de ce que vous faites, c'est comme dans Last Light, il y a une bad ending et une good ending. Après chaque tir. Le seul avantage est qu'il fait pas de bruit. On s'approche, unité prête, tenez vous prêts. Unité prête. Le délai est écoulé, colonel Mené. On ralentit, mais les femmes des tendins. Un gars. facile, hein, je pense, parce qu'il est vraiment dur. Hein. Je commence à comprendre pourquoi tout le monde me l'a conseillé en mode facile. Et ça me fait chier cette aide à la visée. Le flou de mouvement le dégage. Ils ont mis un motion blur sur console, c'est n'importe quoi.
Comme ça, j'ai déjà l'accessoire et ça me fait un accessoire en moins à trouver. On va pas vous traiter comme des déserteurs, mais comme des chiens enragés, une balle chacun. Je m'en souperai de vous en personne, entre les deux yeux. Saloperie déclopée. Laissez tomber les cibles visibles. Transformez-moi ce truc en gruyère. De la volonté. À la manette est pas top. Déjà qu'il y a une espèce d'aide à la visée imposée. Parfois j'ai l'impression que le personnage est un peu lourd. Lol. Le mec a sauté d'or, il a dû s'y faire plafonner par l'autre. On est encore que le prologue, hein. Le jeu n'a même pas commencé d'après ce que j'ai compris. Lorsqu'on n'a pas encore récupéré le sac à dos, le crafting, tout ça. Je m'étais un peu renseigné sur le jeu avant. Là on est vraiment dans du scripté, c'est vraiment... T'as imposé des armes pourries pour le démarrage. Mais bon voilà, on va se mettre en... Maintenant, on n'est plus seulement des traîtres, mais carrément des saboteurs ennemis. Bon voilà, jamais vu. Donc le mode normal pour eux, c'est le mode difficile, quoi. Donc on est bien d'accord qu'il y a le mode de difficulté récit, qui t'opposera aucune résistance. Il y a le mode facile qui équivaut à un mode normal. Il y a le mode normal qui équivaut à un séjour à la fistinière. Mais cette et le mode difficile et le reste, j'ose même pas imaginer. Les gars se demandent ce qu'il convient de faire à présent. Mais moi, j'attends des réponses. Et j'espère que le commandant, qui avait récemment encore toute ma confiance, saura nous expliquer son raisonnement de façon très persuasive. Oh, parce que là, on retraille beaucoup et j'ai envie vraiment de vous offrir un... C'est l'épisode un peu pour du beurre ici, hein, donc voilà. Bah, bon, il sera mis sur YouTube aussi, mais disons que j'appréhende un peu les choses. On est à un carrefour, si on peut dire. Et on peut pas s'empêcher de se demander. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Ouais, plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Mais toi, tu sais à quoi t'en tenir. Alors, ton compteur, il fonctionne? Tu l'as vérifié? Oui, il est dans le vert, aucun doute. Celui de Stéphane aussi. Pas besoin de masque ici. Alors, il disait la vérité. Qui disait la vérité? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui étaient ces gens qui ont essayé de nous tuer? Comment ils peuvent tirer sur toi alors que tu es le commandant de l'ordre? Tu nous dois un minimum d'explications. Très bien. Autant cracher le morceau tout de suite. La guerre n'a pas pris fin. Comment ça n'a pas pris fin? Laisse-moi finir. Nos villes sont détruites pour la plupart. Le reste du pays est probablement sous occupation ennemie. Pour éviter de nouvelles attaques nucléaires contre nous, le commandement a choisi la seule solution viable, faire le mort. Pour
Pour garantir le silence radio, le système bouclier a été créé. C'est un réseau de brouilleurs radio qui couvre Moscou et sa banlieue. Histoire que quelques mordus de radio ne nous fassent pas pleuvoir d'autres bombes sur la tête en chouinant sur les ondes. Et c'est un de ces fameux brouilleurs qui a été désactivé à cause de vous. Tu n'aurais pas pu nous en parler plus tôt ? Par exemple, avant qu'Artyom sorte avec sa radio et suppresse toutes ces radiations ? Non ! J'ai été informé il y a 6 mois seulement. Et on m'a bien fait comprendre que si je l'ouvrais, j'étais un homme mort. Alors j'ai dû faire croire à mes hommes qu'on sécurisait une station météo. Chef, avec tout le respect que je vous dois, si on peut pas y retourner, peut-être qu'on devrait y aller de l'avant. J'ai bien une idée, mais... Tu ferais mieux d'allumer ta radio. On devrait être hors de portée des brouilleurs maintenant. Alors faites ton mieux. Cherche des transmissions émanant de l'arche. Synchro labial affligeante. Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes des traîtres aux yeux du commandement. On a désactivé une station de brouillage, abattu des gardes, détruit un train de patrouille, et on a fui Moscou. Pas besoin de procès quand l'affaire est aussi évidente. Impossible d'y retourner. En d'autres termes, il faut qu'on continue à avancer. Le commandement ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Le commandement de la défense moscovite. T'as déjà entendu parler des gardiens de la ville ? Bien sûr, mais ce n'est qu'une légende urbaine. Pas du tout. C'est eux, le commandement. Tu crois vraiment qu'ils se soucient d'autre chose que de protéger leur peste ? Tu as parlé d'une arche. De quoi il s'agit ? Si jamais les hommes ont leur signal, tu comprendras tout de suite. Sinon, c'est qu'il n'y a rien à dire. Tu t'imagines que trouver cette arche dont tu parles, ça va tout arranger ? Non, je crois pas. Mais si t'as une meilleure idée, vas-y, je t'en prie. Oui, j'en ai une. Trouver un endroit sain où les habitants de Moscou pourront vivre. Comme Artyom l'a toujours voulu. Touche le balancier à l'ennemi. En plein une bonne idée. Moi, je propose qu'on règle d'abord nos problèmes avant de voler à la rescousse de tout Moscou. D'accord ? Qu'est-ce que ça donne, Artyom ? Tu trouves quelque chose ? Il y a tout un monde là-dehors. Un monde où on pourrait vivre. Pour l'instant, il est sûr que d'une seule chose, le niveau de radiation est plutôt faible. L'air est respirable, mais la pluie est grande. Et alors, on ne pouvait même pas respirer à Moscou. Et alors, il y a des gens par ici. On n'en sait rien. Comment vous voulez savoir ? Ça, je n'en sais rien non plus. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils apprenaient qu'il y a des sentiments à Moscou ? Là encore, aucune idée. Continuez à chercher un problème. Il y a forcément un signal. Mais on sait qu'on nous a menti. On nous a menti pendant 20 ans. On sait aussi qu'ils tuent des gens. Les dommages collatéraux sont inévitables. Leurs dommages sont top secret de cette année. Oui, des gens sont morts. Mais ils ont pardonné. On a tué des dizaines de millions. Et pourtant, on est tombé. On a survécu pendant toutes ces années. Artyom a failli se faire tuer. Mais aussi, c'est un dommage collatéral. Tu sais quoi ? Oui. Si tu dois faire un choix entre sauver la vie d'un seul homme, même si t'es très cher, et sauver la vie de milliers d'autres personnes, tous les habitants du métro, alors là, la question se pose plus. Ça arrive si on cherche un cœur. Allez, faire ton mieux. S'il s'agissait de moi aussi, j'ai dédié ma vie entière à la protection des habitants du J'ai ton signal. Et je n'hésiterai pas une seule seconde. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer de la survie du métro. Il m'abattrait la vie si je décidais de retourner maintenant. Mais ça n'a aucune importance. Trop de vies sont en jeu. Trop de vies ont déjà été sacrifiées pour hésiter un seul instant. Trop de vies.
demande comment ça va finir. Moi, je vais te le dire. Tu dépends d'Artyom, à présent. S'ils parviennent à trouver la fréquence, s'ils sont vivants. Tu as trouvé Artyom. Allez, ils cherchent. Ils sont forcément là. Ici le comité spécial de rétablissement qui vous parle depuis la base du projet Arch. Vous qui m'entendez, c'est encore fidèle à la cause. Rendez-vous au un début de train, et d'après ce que j'ai compris, au fur et à mesure du jeu, le train va s'agrandir. On va devenir plus fort. Andrei Ivanovitch, depuis combien de temps est-ce que tu travaillais pour ce type de bien? Alors, cher Moïse, tu sens que derrière nous au bout quand on en profite sans mal? Pas seulement. Pas seulement. Il attend du parfum vivant, qui ont une sensation de mal. Donc on l'a baptisé l'Aurora. Au début, ils m'ont convaincu de m'engager en parlant de mon expérience au service des autres. Alors, ça t'a plu l'air frais? C'est extraordinaire, non?
comptais demander à Yermak de m'en dire plus sur notre prochaine destination. Désolé de t'avoir arrêté. Archer, quelques mots. Blade, bienvenue à toi. Oui, j'ai essayé de te convaincre de ne pas le faire. Et oui, je ne t'ai pas dit qu'on n'était pas les seuls survivants. Même moi, je n'avais pas l'habilitation, pas à l'époque. C'est un secret d'État, tu comprends? Je n'ai été habilité qu'après notre combat pour protéger T6. Ils ont dit qu'il fallait que je forme une recrue, parce que la guerre était toujours en cours. J'étais sur le cul, tu peux me croire? Pourquoi on avait perdu tant de monde à T6? Pourquoi moi j'avais perdu mes jambes? Mais j'ai compris. Puisque la guerre était toujours en cours, la sécurité passait avant tout. Les nôtres auraient compris. Alors je comprends, faisons le temps. Tu aurais pu jamais tout le monde dans le métro. T'es un fou, tu promettais, toi, à T6. Peuple hors des cavernes. Tu imagines que tu aurais pu sauver qui que ce soit? Tu te souviens du brouilleur? Et si Moscou avait été découverte à cause de toi? Et si on s'était pris les missiles? Quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'ils pensent de moi, je suis pas un déserteur, et je ne le serai jamais. Je suis prêt à endosser toutes les responsabilités de cette histoire. Et si jamais j'ai la moindre chance de rédemption, je la saisirai sans hésiter. Je veux dire que, comme un coureur qui a trébuché, nous devons continuer à courir encore plus vite pour garder l'équilibre. Et le talisman nous fait trébucher à nouveau, c'est compris? J'espère bien. Enfin, au moins on sait dans quelle direction courir maintenant. Alors retourne à l'intérieur et regarde la carte. Notre route est tracée. Donc, ok. Donc, apparemment, Melnik nous a caché des choses depuis un moment. Comme quoi, il y avait bien de la population à l'extérieur. Parce que les communistes sont de gros paranoïaques. Donc, voilà. Ah, il a perdu ses jambes à la fin de Metro Last Light. Alors, il a deux grosses prothèses pour marcher. Quelques jours plus tard. Alors que je revenais d'une course, j'ai arrêté le train. Allez, prochaine destination. Après toutes ces années passées sur Terre, l'air de la surface semblait incroyablement frais, enivrant. Mais l'équipage était euphorique pour une autre raison. Le message reçu du bunker du gouvernement dans l'Oural scellait le véritable but de notre voyage. 20 ans durant, on a cru que ni le gouvernement ni le haut commandement n'avaient survécu. Il s'avère qu'ils sont toujours en place. Où étaient-ils alors qu'on s'entretuait tous dans le métro? On aura beaucoup de questions à leur poser quand on arrivera à Yamantau, si on y arrive. D'après Melnik, les ruines de notre pays sont contrôlées par l'ennemi, et il faudra se battre pour parvenir à notre objectif. Une équipe réduite contre les forces d'occupation. Quelles sont nos chances d'y arriver? Et d'obtenir toutes nos réponses? Allez, c'est parti pour un gros road trip à travers la Russie. À bord de l'Aurora. On a quasiment rien, une locomotive et une escouade de Rangers, c'est tout. Et Artyom qui fait partie des Rangers aussi depuis Last Light. Mais voilà. Bon, on a mis la main sur quelques armes avant de partir. J'ai bien fait de prendre la K directement avec le viseur réflexe dessus. Au moins, voilà, ça fait jump, c'est un bon début. On a été économe avec les munitions. Chargement de l'infini.
Ça charge, en profiter pour boire un coup. C'est un peu long là par contre. Oh. Pas trop congelé, mon amour? Allez, le jeu commence maintenant. Essaie de te réchauffer un peu. Bah oui, enfin, là maintenant le jeu commence seulement. Alors, pour moi, Blade. Les premiers instants c'était scripté, j'avais accès à rien, on m'imposait les trucs. Quand j'ai vu Matt Troll y jouer un peu, j'ai vu que le jeu commençait maintenant, à partir de maintenant, donc on va recevoir le sac à dos. Et je vais être libre de configurer mes armes comme j'en ai envie. Aujourd'hui, quand je regarde ce brouillard. Mais oui, je le trouve sympa. Bon, j'avais mis un mode de difficulté un peu élevé. J'ai baissé en facile parce que bah, je me faisais ouvrir en deux rien que sur le début. Parce que pour eux, le mode normal, c'est difficile. Parce qu'il y a récit, facile, normal, difficile, ranger, difficile. Ok. J'ai pas trop compris ce qui est passé là. D'accord. Oh, le revolver pourri. Ça me fait un accessoire en moins à crafter, j'ai déjà le viseur. Comme un con, j'aurais pu garder l'autre AK sans viseur, mais je l'ai ramassé sur un garde. Ils ont percé la piste. C'est grave, on peut avancer. Saleté brouillard. On dirait qu'on a traversé un barrage. Qui savait? Ils avaient des uniformes? Non. Rien ne déloque. C'était juste une bande de vieillards. Des vieillards, hein? Au poste de garde. Ils auraient pu y mettre des femmes ou des enfants pendant qu'ils y étaient. Vous pensez vraiment qu'on les a trouvés, colonel? Bah, ils ont tous de super équipements. Je suis le seul à avoir des armes qui tiennent avec un ressort de bique. Il y a des fortifications là-bas. Moi je veux une calache comme ça. Un village avec une église entourée d'eau. On a besoin d'infos. Tiens Artyom, je t'ai mis un marqueur sur la carte. Vas-y et trouve tout ce que tu peux sur ce pont. Capturer un prisonnier, ce serait l'idéal. Anna, tu le couvres. Oui chef. Je peux accompagner Artyom en soutien? Non, tant qu'on n'en saura pas plus. Oh, il a la voix de Schwarzenegger. C'est de là, c'est il a la voix de Daniel Beretta. C'est parti Artyom. Ah, pas mal. Artyom, n'oublie pas ton sac à dos. C'est un nouveau modèle. Un atelier mobile, pour ainsi dire. Le manuel est à l'intérieur. La maison ne fournit pas les matériaux de confection. Alors prends tout ce que tu trouveras. Allons-y, Artyom. À vos ordres. T'en fais pas. Le barrage n'était pas très résistant. Les effectifs, ils ressemblaient à tous sauf à des soldats. On aurait dit des vieillards. Soyez prudents. N'oubliez pas, presque tout le pays est détruit. Même ceux qui parlent notre langue peuvent être des ennemis, par conviction ou parce qu'ils ont peur. Compris? J'ai entendu la cloche? On a dû leur filer les jetons. D'accord, parce que j'ai compris aussi, c'est un monde semi-open world, donc je suis pas obligé d'aller directement à l'objectif, je peux explorer, trouver des trucs. Bon, je voudrais aller dans mon sac à dos, s'il vous plaît. Quelle touche? Oups.
Ok. Un peu de la merdasse, ce que j'ai. C'est parti. On descend. Yeah, parfait. Faire des soins parce que c'est jamais. J'ai inspecté les environs pendant que tu étais à l'intérieur. Ce pylône électrique fera un excellent poste de tir. On y va. Je me sens moins à l'étroit maintenant. Ah, mallette. Salut Goto.
Ça, logiquement, dans la vraie vie, ça marche pas, une AK comme ça. Hein. Vous avez une AK comme ça, qui tient juste avec un bout de métal. Ce qui se passe, c'est que vous tirez, le ressort vous revient dans la gueule, et vous avez plein de bouts de métal encastrés dans la joue. Voilà. Pour vous dire que c'est complètement what the fuck. Oh, sinon, bienvenue à toi, ma petite Goto. Comment vas-tu? D'ailleurs, comment allez-vous blade et tout ça? Je ne vous ai pas demandé. Enfin, si elle est encore là. Ça va, je tousse plus trop, enfin, ça sera que des moments. Bah là, je sais pas, ça allait très bien, je me suis mis à jouer, et c'est un peu reparti. Pourtant, j'ai bien pris mes médicaments. Ok, quand je ramasse l'arme, donc apparemment, c'est une mitraillette. Enfin, ça va être une mitraillette en fait. Je vais tester un truc. Donc ça, apparemment, c'est la mitraillette qu'on appelle l'abattard dans les anciens métros. Mais est-ce que je peux transformer l'abattard en pistolet? La question que je me pose. D'accord, je peux mettre l'accessoire silencieux, d'accord. Ah ok, donc en fait chaque arme a son délire. Ouais, mais je préfère avoir un pistolet. Oui, bof. Ça va, je suis quand même content, même si bon, tant pis, je vous fais profiter de l'atout, mais au moins je stream et je vous fais un jeu, quoi. Bon, le jeu parle pour moi, donc ça va. De toute façon, ça sera pas le premier jeu que je fais en étant malade. Hein. J'ai déjà Alien vs Predator sur ma chaîne. J'avais exactement la même chose. Merci du host Goto, et merci d'être passé quand même. Tu es la bienvenue, tu restes ici quand tu veux, hein. Pareil pour les autres. Parce que je vois que tout le monde vient et part très vite. C'est un peu dommage. Ok, il y avait l'icône, comme quoi... Ah, d'accord, j'ai compris. Tu peux dépouiller une arme pour récupérer ce qu'il y avait dessus. D'accord. Donc, le sac à dos. Oh, merci, Goto. Une bonne nuit à toi. Dors bien. Thank you.
pas de souci, Goto, y a pas de souci, tu peux. C'est juste que voilà, parfois j'ai l'impression que mes streams puent, ou alors que c'est que vous n'arrivez pas à regarder à cause que je stream en trop haute résolution. Enfin, je regarderai la VOD après, mais... Parfois les gens ils disent bonjour et ils reviennent plus. Donc je me posais la question. La maniabilité est un peu rigide, hein. Je vais regarder s'il n'y a pas moyen d'arranger ça. Ça en vire. L'assistance à la visée, ça dégage. Ah, nickel, ouais, là, je retrouve des sensations, là. C'est dit parfait, c'est parfait. Parce que là, j'avais pas l'impression d'être maître de ce que je faisais. Là, c'est moi qui, là, c'est moi qui a la maîtrise de mon arme. Voilà. Je veux bien votre établi à la con, je ne l'ai pas trouvé. Il est où? Bon. Ce sera peut-être plus tard. Ouais, d'accord, c'est comme dans un vrai kayak. Avec R2 une fois, avec L2 une fois. Oh, les gentilles crevettes. Donc, allons à la rencontre des gens qui ont mitraillé notre train comme des gros bâtards. Voilà. Comme dirait Jacouille, c'est un beau poissonnet. C'est déconseillé de nager. Prendre les cartouches pour plus tard, mais j'ai pas besoin d'un pompe. On peut pour apporter 3 armes plus tard, mais je pense que là on peut en porter que 2. On dirait qu'ils sont revenus.
Artyom, je vois une femme. Ça a toujours été comme ça dans les métros. Tu devrais aller voir. Je vois du monde à l'église. Personne ne semble armé. On peut tenter une approche directe. On attend avant de tirer, compris? Ah, je ferai pas le gentil avec des mecs qui nous ont déjà tiré dessus. Enfin bon. La connerie n'a pas de limite. Ça me rappelle mes cauchemars à la piscine en maternelle avec le pipi des sixièmes. Ils auraient déjà eu le temps de me buter 20 fois à la vitesse où je vais. Que la paix soit avec toi, mon cher. Notre Saint-Père Silentius a commencé son sermon. Entre dans le temple. D'accord, une des touches c'est pour reculer, l'autre pour avancer. Okay, j'avais pas compris ça moi. Ça n'inspire pas confiance quand même, je sens que ça va virer au carnage.
génial qu'on puisse lourder les accessoires comme ça. Ma barque a fondu apparemment. Vous avez vu ça? Je les ai vite calmés. J'en ai tué quelques-uns, les autres se rendent. Bon. Au moins ça gâche pas les munitions. Thank you.
Vous avez vu, hein, malgré que le jeu est sorti il y a quelques petits mois déjà, vous avez remarqué qu'il y a encore pas mal de petits problèmes de... Je sais pas si vous avez vu, là, j'ai tiré dans la tête d'un gars, ça, là, il a rien pris. Et Et le comble du comble. Vous voyez parfois des personnages faire des choses bizarres pendant les gunfights. J'explore, hein, c'est important de tout récupérer. De toute façon, je pense qu'après ce chapitre-là, on va se laisser là pour la première VOD. Je pensais pas que je me fatiguerais si vite. Voilà, en attendant, j'ai bricolé un peu le revolver, c'est pas plus mal que ça. En attendant, ça sera bien. Hérédique. Allez, tue-moi. Vas-y. Je veux juste que tu m'abattes. Ma fille et mon fils sont morts. Silentius n'a pas voulu qu'on les soigne. Katia, l'ancienne infirmière, disait qu'elle pouvait les aider. Mais Silentius a préféré les laisser mourir à petit feu. Vania souriait quand il est mort. Il disait que sa sœur l'appelait. Elle est morte 2 jours avant lui. J'en peux plus de cette vie. Vas-y, tue-moi. Allez, tue-moi, enfoiré. Non. Quoi, gars? J'ai cru que c'était une bite dessinée contre le mur, là, je me suis demandé quoi. Thank you.
Apparemment j'ai rien oublié, bon on va y aller. Je me suis assuré de bien tout fouiller. Ça a l'air d'être bon. Oh un cochon. Sentinelle. Il m'a dit de pas bouger et de n'intervenir sous aucun prétexte. Alors j'étais aux premières loges pour profiter du spectacle. Je t'ai vu soumettre tranquillement les forces d'occupation avec une sainte croix et une prière. Anna nous a déjà raconté pour la fête. Pourquoi on n'échangerait pas? Je voudrais pas revenir à Moscou sans avoir tiré une seule balle. On avait des vues sur la même fille avec un vendeur. Ah, oh, c'est pas de bol. Pourquoi c'est moi qui me tape toujours le sale boulot? Le colonel n'arrête pas de te critiquer, mais c'est toujours à toi qui confie les bonnes missions. C'est sa façon de te témoigner son affection ou il essaie juste de te faire tuer? Mais j'avoue que ça me fait moyen. On m'a traîné en dehors de Moscou et pourquoi? Alimenter la chaudière et rester planté dans un marais avec une longue vue. Ici, on peut quand même tomber sur un truc intéressant. Oh, regarde cet avion, là-bas. Laisse-moi juste quelques bricoles.
Je vais devoir rester encore un peu. Ah, ma calage commence à être usée, c'est pour ça qu'elle fonctionne plus très bien. Il faut les nettoyer, les armes. Me donne du fil à retordre. J'aimerais bien réussir à convaincre le poisson-chat de bouffer toutes ces saloperies. Je me demande comment Mowgli faisait pour parler aux animaux. En parlant de Mowgli, on a le même groupe sanguin, toi et moi, t'as remarqué? Allez, c'est mieux d'y aller, Artyom. J'ai bien l'impression que beau papa essaie de nous changer en colonne de sel avec ses jumelles. On a un petit sidekick rigolo dans l'équipe. Occupation de l'OTAN. Impressionnant les horreurs que Duke nous a racontées. Bien, papa est en train de discuter avec Katia. Elles sont si gentilles, aussi bien Katia que sa fille. Et la formation médicale de Katia nous sera bien utile. Merci pour le renseignement, Katia. Mais il me reste une question à te poser. Et bien sûr.
Qu'est-ce que tu sais sur les forces d'occupation? Hein? Ah, je suis désolée, je vois pas de quoi... Donc, tu n'as jamais vu d'armée étrangère dans la région? Non, j'ai vu aucune armée. Mais on n'a pas beaucoup bougé d'ici non plus. Je vois. Artyom, t'as une minute? Artyom, passe me voir quand on aura fini avec le vieux. J'ai quelque chose pour toi. T'as fait du bon boulot en les sauvant, Artyom. Katia nous a fourni des infos vitales. Un mécanicien appelé Crest se cache dans le port. On aura besoin de son aide si on veut réparer l'Aurora rapidement. Yermak n'y arrivera pas tout seul. Quand tu seras prêt, rends-toi au port, invite Crest à nous rejoindre et revenez au plus vite. On va devoir décider de ce qu'on fait de ces fanatiques sur le pont. Maintenant, on sait que le pont est en parfait état de marche. Ils l'ont traversé l'année dernière en venant ici. Bon, au moins on commence à récupérer. Mais il nous reste encore beaucoup à découvrir. Il doit même pas y avoir de troupes ennemies ici. Ils ont dû installer des garnisons uniquement dans les régions stratégiques. Une chose est sûre, c'est à Yamantau qu'on obtiendra nos réponses, à la source. Pour faire simple, le gouvernement moscovite n'est rien d'autre qu'un conseil régional. Donc pour l'instant, il nous reste plus qu'à trouver un moyen de traverser ce foutu pont. T'es encore là, Artyom? Tu devrais aller vite au port. Bordel, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je pourrais remplacer le piston, mais j'ai pas la pièce. Qu'est-ce que tu penses du sac à dos? Il est confortable? Tu peux quand même la jouer furtif. J'ai un petit cadeau pour toi. Un fusil Tikar. Ça te parle? Il est pneumatique, mais il en a quand même dans le ventre. En plus, c'est un jeu d'enfant de fabriquer ses balles, comme sur le champ de bataille. Veille juste à maintenir une pression assez élevée, sinon autant cracher les balles avec la bouche. À part ça, tu seras jamais emmerdé, je l'ai bien bichonné. Fais-lui honneur. Et pense à venir me voir de temps en temps. J'ai déjà des idées pour l'améliorer. Ouais, donc c'est une arme où il faut mettre de la pression.
Oh, quelle merde. Faut que je trouve un établi en urgence là. Vous avez vu ce que ça donne quand une armée bousillée, hein. Voilà. Alors Artyom, tu vas au bord? J'ai vu personne là-bas. En plus tard, je vais faire. Mm-mm.
décor, c'est vraiment sympa. Ok, donc on est d'office obligé de... Le fusil Ticar, on peut pas l'enlever, d'accord. Dangereux de jour. Je commence vraiment à décéder de ouf. Donc on va essayer de finir le chapitre.
J'ai une lampe, pourquoi ils me disent de prendre le briquet? Je suis attaqué par une plante à proutes. Ok, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Terrible, mais au moins ça économise les balles. Oh le joli bug.
me suis fait avoir par la boîte. Par la boîte qui était. Qui tenait subitement sur de la glace. Le jeu est un peu lent au démarrage, hein. Nos armes c'est vraiment pas top. Racler les fonds de tiroir. Thank you.
peu plus rapide comme ça. Je suppose que le mec qui vit là-haut. Ouais, par contre, il y a des trucs à revoir sur le jeu. Je veux dire, il est bien dans l'ensemble, mais il y a parfois les petits bugs que j'ai signalés. Étonné qu'il n'y a pas de patch qui corrige ça. Parce que vous avez vu tout à l'heure avec l'ennemi qui a sauté sur place là quand je l'ai tiré, quand je lui ai tiré dessus. Que j'ai compris. Enchanté de te rencontrer. Moi, c'est Crest, au fait. Tu viens du train? Les villageois n'ont même pas voulu vous parler, je parie. Ils ont immédiatement ouvert le feu, pas vrai? Évidemment, quelle bande d'abrutis. Depuis le temps que je suis là, je connais la chanson. C'est une vraie secte là-bas. Ces crétins sont convaincus que la technologie a causé la destruction de l'ancien monde. Alors, ils sont jamais bien tendres avec les gars futés. Et moi, ils voulaient m'emprisonner jusqu'à ce que j'accepte de combattre leur prétendu démon électrique pour me faire pardonner de mes péchés. Parce que, tu vois, je suis de mèche avec Satan, il paraît. Je suis une sorte de sataniste. J'ai réparé. Merci à toi aussi, Goto, bonne nuit. Toute ma vie. Mais j'ai décidé de partir. Merci d'être passé. J'en ai ma claque de cette région, j'ai plus rien à y faire. Les villes ont disparu, ça grouille de bandits et de créatures.
Et c'est grand de l'autre côté de la Volga. Y a de quoi faire. Donc, je suis venu ici avec ma drésine pleine de marchandises, en espérant en vendre un peu en chemin. C'est une belle connerie. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivant. Enfin bref, depuis votre arrivée, j'ai repensé à ce plan que j'avais imaginé, mais que je peux pas mettre en œuvre tout seul. Alors, comme vous, Est, d'après ce que j'ai pu voir avec mes jumelles, c'est vraiment un miracle que votre moteur fonctionne encore. Ah, au fait, tiens, prends les jumelles, je vais t'indiquer ce qu'il y a dans le coin. Commence par le pont. Vois la section en haut? Elle doit se baisser si le mécanisme d'urgence fonctionne encore. Katia de l'église en saura plus que moi. Je suis jamais allé jusqu'au pont, personnellement. Là, sur la droite, cet énorme hangar, c'est le terminus. Les fanatiques en ont fait un lieu de culte. Ils l'ont recouvert de graffiti. C'est là que vit leur poisson de tsar. Bande d'abrutis. Encore plus à droite, tu vois le bâtiment près des wagons? C'est un ancien dépôt de train. Il est occupé par les bandits maintenant. Mais l'endroit n'est pas si mal. La zone d'à côté n'est pas mal non plus. C'est un bon coin de chasse. J'ai installé plusieurs abris dans le secteur. Si tu les trouves, tu pourras te reposer, préparer ton matériel. À moins que tu préfères dormir à la belle étoile près d'un feu de camp. Allez, je vais te montrer ma maison maintenant. Bienvenue dans ma grotte. Et voilà où j'habite. Mais oh, il y a un lit. Alors si t'es fatigué, sache que tu es ici, chez toi. Je me suis fabriqué un établi pour décoller. S'il faut des munitions ou des grenades, tu trouveras de quoi en faire. Tu peux te servir. Prends tout ce que tu veux. Je pourrais pas transporter tout ce merdier de toute façon. Allez, sois pas... En tout cas, t'imagines pas que je suis juste une belle gueule. J'ai amassé un paquet de connaissances là-dedans. Voilà. Regarde.
de ses mains. Elles savent tout réparer. Vous allez pas regretter de m'avoir dans votre équipe. J'ai réussi à acheter des clopes aux villageois avant que ces trous du cul me foutent à la porte. Tu peux redescendre avec cette tyrolienne. Suffit de t'accrocher et c'est parti. Ma lampe n'a pas plu à ces abrutis. C'est à cause de ça qu'ils m'ont banni du village et du pont. C'est un gouffre à munitions. Artyom, je t'ai entendu m'appeler. J'étais si bien là-bas. Mais je t'ai entendu. Et je pouvais pas t'abandonner. Elle aussi, elle a abusé des petits champis magiques.
Fusil d'assaut qui ressemble à quelque chose. Enfin. J'ai pris feu à cause d'une lampe. Et que j'avais toute ma vie. Chargement interminable. Ah, il est bien, mais il y a quand même des trucs à revoir, elle sort. Par exemple, le seul truc que j'ai, c'est que parfois, je pense, pour des trucs que je pensais acquis dans les FPS, par exemple, c'est, enfin, bon, c'est pas de ma faute, c'est l'optimisation qui a été un peu faite à la zob, mais parfois, t'as remarqué, je fais un tir en pleine tête, l'ennemi est encore debout, quoi. Parce que la balle est passée au-dessus de son crâne. C'est, voilà, des trucs ainsi. Une visée auto un peu pénible que j'ai retirée, mais malgré ça, elle est toujours là. Ah, tu vois, j'ai visé le torse, ça la tue en un coup. C'est bizarre. Parfois, la caméra s'emballe. Le viseur frétille quand je fais des strafes. Chose qu'on n'a jamais vue sur un FPS. D'ailleurs, il me file le tournis, je vais l'enlever.
Voilà, j'ai moins le tournis maintenant. Ça ira peut-être mieux sans ce truc-là qui fausse ma visée. Oui, ça va bien mieux. Ça ira peut-être mieux aussi dans les prochains jours. Là, j'appréhende encore. Labyrinthe. J'avais espéré qu'en 3-4 mois qu'ils fassent des patchs quoi.
Artyom m'ait retrouvé. C'est quoi cet endroit? T'as vu les marines? Ça doit être des produits chimiques. Cet endroit doit servir d'entrepôt ou de décharge. Ah, c'est Schwarzy. Et cette chemise a pu être mise là par les locaux pour merci, le repérer. Ok, bon. Artyom, on essaie de la relever? Pas question. Je peux marcher toute seule. Je dois juste me reposer un peu et ça ira. Le vieux doit être en train de péter les plombs. Il doit s'imaginer que sa fille chérie est blessée ou que je sais quoi. Papa, c'est moi. La batterie de ma radio est morte. Elle a pris l'eau. Mais sinon, tout va bien. Artyom et les gars sont avec moi. Anna. Oh, un jour, tu sais, tu vas me faire avoir une crise cardiaque. À ton retour, tu seras mis sous arrêt, je sais. Sam, c'est toi? Ah, merci d'avoir aidé à retrouver Anna. Maintenant, tu la ramènes ici à côté dans le cul. J'ai deux mots à lui dire. Et Stéphane s'y met aussi. Il a décidé de faire monter des civils à bord. Tout le monde n'en fait qu'à sa tête ici. Fais demi-tour. Aide Stéphane à convaincre mon père de laisser Katia et Nastia faire le voyage à Fina. Artyom, je me sens mieux maintenant. Vraiment, je te jure. Dis-moi, Sam, à quoi ressemblent vraiment les bases ennemies? Qu'on sache les reconnaître quand on en verra. Ben, déjà, il y a ces immenses robots humanoïdes aux couleurs de la bannière étoilée, avec des réacteurs au cul et la bouffée d'enfer. Burger, frites, milkshake. Je suis sérieux, merde. Je vais être sérieux moi aussi. Comment veux-tu que je sache à quoi elle ressemble? Ça doit faire 20 ans que j'en ai pas vu. Une barrière, des miradors, des patrouilles, des bâtiments. Bon, on va les laisser jacter et on va retourner au chouchou. On va encore aller se faire grosse dépense en bordel. Regarde ça, une visite dans ce bunker, j'ai déjà plus de balles. J'arrose peut-être trop. D'accord, c'est la crosse, enfin c'est la culasse qui permet de... Chaque fois, je me trompe de touche. On n'est pas
qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de chapitres, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller... On va aller voir Melnick. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première session. J'imagine qu'on va devoir repartir. Pour aller où ? Ces fanatiques vont vous faire vivre un enfer. Bien. Ouais. Bonjour, Arthur. Très bien. Bienvenue à bord. Merci. Je te décevrai pas. Hé, Artyom, t'as vu comme tout s'arrange ? Viens voir, Artyom. Assieds-toi. Écoute, on a une chance de traverser le pont sans attaquer. Des caravanes de vendeurs remontent le fleuve, et les gens du pont font affaire avec eux. Donc, en se déguisant en vendeurs, on pourra infiltrer le pont et le baisser. Katia dit qu'il fonctionne encore. Ils pourront rien faire si on agit vite. Et quand bien même, on traversera ce pont, que ces fanatiques le veuillent ou non. Ils veulent du sang ? Eh ben, ils vont en avoir. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la caravane de vendeurs. Colonel, monsieur, on ne peut pas les abandonner ici. Elles n'ont pas la moindre chance. Stéphane, t'as déjà essayé de réfléchir ? Est-ce que tu réalises où on va ? Et ce à quoi on va être confronté en chemin ? Et dis-moi, où est-ce qu'elles vont dormir sur leur aura ? Au-dessus du charbon ? Nous, les Spartiates, on peut supporter. Mais pour une femme, et sa fille de 6 ans en plus, c'est proprement intolérable. Je leur laisserai mon matelas. Et j'irai dormir près de la chaudière. Tu dormiras pendant ta garde, et tu te feras trancher la gorge à la première occasion après lui là-bas. Mais on ne peut pas les abandonner. On n'a qu'à récupérer ce wagon dont nous a parlé Katia au lieu de ne rien faire. On ne peut pas laisser la petite. Et puis combien de temps encore on va devoir se relayer pour dormir ? Tu recommences avec ça ? Comment, hein ? Comment est-ce qu'on va récupérer ce wagon ? J'emmènerai pas l'Aurora là-bas. Ah, ce sera pas la peine. J'ai caché une draisine au terminus. Elle pourra tracter un wagon sans aucun problème. Artyom et moi, on peut aller la chercher et ramener le wagon. Non, t'iras nulle part. On en a pour la nuit si on veut finir de tout réparer. Et tout seul, je pourrais pas le faire dans les temps. Ok, ok, comme vous voulez. J'en ai assez de passer pour le méchant. On récupère le wagon, on emmène les civils. Artyom, tu peux t'en occuper. Artyom, écoute. Si tu vois la caravane, tu abandonnes tout et tu fonces jusqu'au port. C'est notre meilleure chance de traverser le pont. Merci, papa. Katia et Nastia seront tellement contentes. Tiens, Artyom, c'est un disjoncteur pour la draisine. Ça marchera pas sinon. C'est une vraie petite merveille. Et je pèse mes mots. On a vécu des moments forts, elle et moi. Elle a transporté tellement de choses. Et elle m'a sorti de tellement de situations délicates. Bon, Artyom, quand tu vas te rendre au terminus, écoute-moi bien. C'est pas la porte à côté. Et, bon, si t'y vas la nuit, t'auras moins de chances de tomber sur des bandits. Ils quittent pas leur camp quand il fait noir. Mais ça sera pas plus simple pour autant, puisqu'il y aura plus de monstres. Sans parler des anomalies électriques. Les fanatiques les appellent les démons de l'électricité. À toi de peser le pour et le contre avant de partir. Artyom, Duke est en mission dans le secteur. Il effectue des relevés sur le pont. Ça capte mal, là-bas. Il y a plein de parasites sur la ligne. Bref, si tu le croises, il te tiendra au courant de la situation au terminus. Je parie que t'as comploté avec Anna et Stéphane. Hey, je tiens à eux autant qu'à toi. Mais on ignore si ce qui nous attend vaudra mieux que les fanatiques. Enfin, qui vivra verra. Ok, donc on va agrandir l'Aurora. Et bravo pour avoir convaincu le vieux. Regarde mon installation, Artyom. J'ai enfin réussi à tout organiser. Un véritable établi avec assez de place pour tous mes outils. Tu peux nettoyer tes armes et fabriquer des munitions ici, comme avec tous les autres établis que tu trouveras. Mais tu n'auras accès à mon atelier que sur l'Aurora. J'y stockerai toutes les armes que tu trouveras. Et tu pourras les échanger à tout moment. Elles seront bien sûr réparées, huilées et propres comme un sous-neuf. Mais tu devras t'occuper des accessoires tout seul. Un jour, je ferai de vous tous des armuriers qualifiés.
Écoute, Artyom, j'ai un truc pour ton ticard. Tu peux essayer de l'installer. L'établi est là pour ça. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps. D'accord, je commence à comprendre. Donc j'essayerai de bien fouiller pour avoir un bon revolver. J'ai trouvé les meilleures poignées et tout ça. C'est à Artyom de jouer maintenant. Alors, sois-y, bonne chance. Et toi aussi, Stéphane. Merci. Voilà, bah sur ce, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. On s'arrête là pour ce premier épisode de Metro Exodus. Voilà, et je vous souhaite la bonne nuit. Désolé pour les toux, désolé pour la voix cassée, j'espère que ça ira mieux demain. Mais je pouvais plus attendre pour vous streamer. J'avais très envie de vous le faire, ça fait 5 jours que j'attends. Allez, je vous souhaite bonne nuit.